Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Guild Wars 2 avec une découverte de zone. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas découvert. Ça datait du Lys de Lelon. Et cette fois-ci, c'est pour tous les indécis qui n'auraient pas encore jeté un coup d'œil au nouveau hall de guild. On va s'attaquer à ce hall ensemble pour voir comment il est tel quel, donc juste après une capture, avec par contre tous les bâtiments déjà réparés, donc tous les bâtiments de niveau 2, scriptorium, etc. C'est le hall de ma guilde, tout simplement, que je vais vous présenter aujourd'hui avant que les premières décorations soient installées. Donc c'est parti pour cette visite. Thank you.
Et voilà pour ce hall de guilde. Donc, nous avons fait le tour du nouveau hall. J'espère que la visite vous aura plu, que les décors vous auront plu, ainsi que la musique, comme toujours. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé ce hall, si vous êtes déjà passé dessus avec votre guilde ou si vous comptez le faire. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Toujours les mêmes sujets. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces en l'air ou en bas si vous n'avez pas aimé, à mettre des commentaires, à partager, tout ça, vous savez. Moi, en tout cas, ce hall de guilde, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est quand même très pratique au niveau de la condensation, de la concentration, de la condensation, n'importe quoi, de la concentration des PNJ sur une zone assez restreinte. Oh là là. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc beaucoup de PNJ sur des zones limitées, ça fait ça nous évite de courir un peu partout. Et en plus, les décors sont tout simplement magnifiques. Bon, il faut aimer le côté désertique forcément, vu que là on est en plein désert. Mais pour ma part, c'est un petit coup de cœur pour ce hall. Est-ce que c'est mon préféré? Je suis partagé, je dirais que la caverne dorée a encore de gros gros points positifs quand même à mes yeux. Je les mettrai premier ex aequo, désolé pour le précipice perdu, qui n'a jamais eu trop été dans mon cœur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et je vous dis ciao ciao! Thank you.